Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté, la Reine. Notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, Monsieur Necker? Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, Monsieur Necker. Votre seconde option? Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui a le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, Monsieur Necker. Sire, c'est inévitable. Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Comment? Les députés du tiers-état, monseigneur. C'est quoi le tiers-état? Tous ceux qui ne sont ni nobles, ce ni prêtres. Incomparable. Cela fait beaucoup de monde. Sauf à l'équilibre du clergé, on rejoint le tiers-état, sire. Il déclare représenter 96% de la nation et projette de se constituer en Assemblée nationale. En se passant de l'accord de Votre Majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère. La meilleure solution, Monsieur Necker, serait de m'adresser aux trois ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas un affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup... L'autorité est tout ce qui nous reste, Monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance. Et par la force, si nécessaire. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Oui. Rémi a raison, au jeu de paume! Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout
où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonné, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. Vive le roi ! De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège ? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi ! Vous donnez l'ordre de vous disperser ! Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Les armes, on les prend où ? Les fusils sont aux Invalides et la poudre à la Bastille. Bon travail, lieutenant. Des problèmes ? Un seul, monsieur. Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront ? Vos Suisses, sûrement. Probablement. Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer ? Messieurs. Plus le choix.
On joue ! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous ! Monsieur le gouverneur ! Si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. On joue ! Feu ! Feu, par Dieu ! Faites-vous ! Nous sommes sauvés. Vive le roi ! Un après-midi agréable, Cléry. Mais point couronné de succès. Pas même un lièvre. C'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution. Sabre au clair. Votre Majesté, ces clés sont celles qui ont été présentées au bon roi Henri IV lorsqu'il a reconquis son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Ainsi, vous voici maire de Paris, monsieur Bailly ? Oui, votre majesté. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à Paris.
Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un. Ah. S'ils l'ont jugé. Si Votre Majesté veut avoir la bonté de me suivre. Et vous, monsieur de Lafayette, je pense que vous aussi avez quelque chose à me dire. Votre Majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de garde nationale. Et ils m'ont désigné comme leur général. Garde nationale? Naturellement, sire, je ne pourrais accepter cette nomination que si Votre Majesté lui donne son agrément. Il faut donc que je vous félicite, monsieur le général. Sire, tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. J'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée. Si Votre Majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même. Notre collègue Breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps. Ce sont les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché.
la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker, mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. Comment l'Église vivra-t-elle sans la dîme ? Et la petite noblesse, sans la redevance de ses paysans ? Je me dois de rappeler à votre majesté que ce sont la noblesse et le clergé eux-mêmes qui... Mais pourquoi les droits de l'homme ? Je suis le roi ! Comment peut-on partager ce qui est absolu ? Plus de cocarde tricolore! Plus de cocarde tricolore! Si vous refusez de marcher sur Versailles pour demander au roi de nourrir son peuple, alors nous le ferons. Ouais. Allons chercher la boulangère et le boulanger et le petit vitron. Ouais. Ordre de la Commune. Vous devez, avec deux délégués, conduire la garde nationale à Versailles et ramener le roi et sa famille à Paris. Nous sommes la garde du roi, pas ses geôliers. Silence ! Taisez-vous ! Des femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain ! Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur !
La cause que nous avons défendue est perdue si vous ne vous montrez pas prêt à vous battre et à vous battre encore pour garder ce que vous avez gagné en route. Si je ne supportais plus les potences, avec mon illustre confrère, le chirurgien Louis, nous avons donc pensé à cette machine. Les condamnés seront décapités par l'effet de ce simple mécanisme. On ne sent pratiquement rien. Tout au plus, l'impression d'un souffle d'air frais sur la nuque. Un minimum de souffrance auquel chacun a droit. C'est propre, rapide et efficace. Je suis impressionné, monsieur Guillotin. Mais peut-être puis-je faire une petite suggestion. On me dit assez bon mécanicien. Oh, je serais honoré d'avoir l'opinion de votre majesté. Le défaut est là. Pour mieux couper la lame, au lieu d'être façonnée en croissant, devrait être de forme triangulaire. Et taillé en biais, comme une scie. Oh. C'est admirable, sire. Je jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi. De maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. D'assurer conformément à la loi la sécurité des biens et des personnes. Je jure de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. Français, je vous demande, à vous tous qui êtes là, qui êtes venus de tous les départements de France, de prêter le même serment. Répétez après moi. Je le jure. Regardez-les. Ils veulent rester des esclaves. Et ils le resteront si nous ne sommes pas vigilants. Peuple de France, je vous demande d'écouter en silence le serment que va prêter devant vous le roi des Français. Moi, roi des Français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi. Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Général! Mon général, le roi est parti. Parti où? Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. Mon Dieu! Traître!
Monsieur de Lafayette, vous avez répondu du roi sur votre tête. Le peuple veut le roi. Ou votre tête. Comment est-ce possible? S'il passe la frontière, je n'ose pas y penser. Ils reviendront à la tête d'une armée d'émigrés et ce sera la guerre civile. Vous croyez que nous devons les arrêter au nom du salut public? Nous n'avons pas le choix. Mais qui peut en prendre la responsabilité? Louis Capet! Je dis Louis Capet parce qu'à mes yeux, Louis XVI n'existe plus! Louis Capet doit être déchu de son titre inutile. Il doit être le dernier roi qui ait régné sur la France. Plus de demi-mesure, plus de compromis devant l'indécision et l'hypocrisie de l'Assemblée. Les cordes liées exigent la fin de la monarchie et réclame que la France soit désormais une république. Bravo! Bravo, Marat! Je propose qu'une pétition soit déposée sur l'autel de la Nation, au Champ de Mars, pour que le peuple de Paris puisse venir la signer. Vive la République! Vive la République! Vive la République! Vive la République! Au Champ de Mars! Je suis averti que des citoyens irresponsables appartenant à la section des Cordeliers veulent marcher sur le Champ de Mars pour réclamer la République. Je demande que l'Assemblée décrète la loi martiale pour dissiper tout rassemblement illégal. Vous y... Tu vois, Charles, à partir de maintenant, il n'y a plus de roi en France.